Magazine Parabole. Pour commencer ce numéro, je vous propose de boire un petit café préparé avec amour et surtout découvrir un lieu vraiment atypique sur Strasbourg. C'est juste derrière moi et ça s'appelle Oh My Goodness Café. On y va ? Un petit chocolat fait maison. Aujourd'hui, c'est Vanessa qui s'occupe du service. Elle est bénévole comme 20 autres personnes au café Oh My Goodness. Il faut dire que c'est un coffee shop associatif où bénévoles, services civiques et salariés travaillent ensemble. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on nous donne notre chance en nous disant bah, « vas-y, maintenant tu vas prendre la caisse, maintenant tu vas les servir ». On apprend plein de choses parce que bah, du coup, il faut connaître chaque café. Donc c'est vrai que c'est super parce qu'on est aux côtés de professionnels, donc on est un petit peu formés, voilà. Ça a plus une ambiance de famille que dans un travail où on te demande un résultat. Ici, c'est pas le résultat qui importe. C'est vraiment l'idée de famille, l'idée vraiment de convivialité. Et cette idée de convivialité est ici poussée jusqu'au bout. Tout comme les coffee shops anglais, l'esprit cosy et cocooning est au rendez-vous. Ce café a vu le jour en 2015 grâce à une campagne de financement participatif. Mais pour Arnaud Schrodi, la personne à l'origine de ce projet, l'idée est bien plus ancienne. Ça fait longtemps que l'idée est là, depuis mes 20 ans à peu près. Alors à cette époque-là, je privilégiais plutôt l'idée d'un bar associatif. Maintenant, avec les années, la mode qui change aussi, et puis le café associatif répond beaucoup plus à ce qu'on voulait faire, à savoir un lieu ouvert qui accueille des personnes pour créer du lien social, du lien culturel. Un espace de rencontre, d'échange, et le café s'y prête bien, finalement, mieux qu'un bar, donc café associatif, c'était très bien. Mais ce qui fait l'originalité de ce café associatif, c'est que Arnaud Schrodi est pasteur. Une majorité de personnes qui participent à l'association et donc qui portent ce café sont portées par la foi aussi. D'où cette envie d'ouverture, de rencontre et de vouloir faire du bien à la ville. C'était un de nos positionnements qui nous démarque aussi, c'est de vouloir faire du bien à la ville. Donc oui, ici, il y a aussi des gens qui ont la foi, mais pas que. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la foi, qui œuvrent avec nous, qui servent avec nous, qui sont dans les équipes avec nous. Mais ceux qui ont la foi ont aussi cette liberté, si elle se présente, si un client pose une question, de pouvoir y répondre et d'engager une discussion par rapport à la foi. Mais on va dire que ce n'est pas notre positionnement premier. Notre position, c'est vraiment d'être ouvert à tout à chacun et d'être un lieu d'ouverture. Beaucoup ne connaissent pas cette particularité. Dans ce café, ce sont les relations humaines qui priment. Mais pour ceux qui ont des questions sur leur foi, c'est un lieu d'échange. Depuis que je suis ici, étant donné que je suis catholique, ma spiritualité elle a pas mal évolué aussi. Parce que du coup, c'est plus tourné vers l'œcuménisme parce que je discute souvent avec les bénévoles qui sont issus de la Cruteno ou même Arnaud sur justement les différences catholiques et évangéliques. C'est pas du prosélytisme et que c'est pas marqué sur toutes les tables « Jésus vous aime ». En tout cas, je vois qu'au travers des relations que j'ai avec les personnes qui sont là, il y a vraiment de la bonne humeur. Alors que je suis bénévole et que j'y connais rien du tout à la restauration, ils sont quand même très patients. Dans cette optique d'échange, le café Oh My Goodness propose une multitude d'ateliers. On peut par exemple apprendre des langues, comme ici avec cet atelier d'anglais, ou encore échanger sur son art, comme le font ces artistes qui se voient toutes les deux semaines. Le dessin, c'est un peu une manière de se confier ou une manière... Enfin, l'art, c'est une manière de se révéler ou un peu d'extérioriser tous les problèmes. Du coup, parfois, ils montrent leurs dessins de la semaine, parfois c'est des mood boards, donc c'est vraiment des dessins d'humeur. Et du coup, ils racontent ce qui se sont passés ou ils racontent comment ils s'en sont arrivés là, les métiers qu'ils font. Par exemple, une des premières questions qu'on pose, c'est « Tu fais quoi comme métier ?» Et dès qu'il y a une personne qui dit « Je suis chômeuse », d'un seul coup, on pose des questions, on sent mal. Et du coup, je pense que c'est aussi peut-être un moyen de se retrouver ou de créer des liens et de se confier. Ça apaise le cœur, en tout cas. Au-delà des activités proposées, le café s'engage dans de nombreuses actions solidaires.
Ils sont par exemple adhérents à l'initiative Zéro SDF ou encore pratiquent le café suspendu. Un client peut payer un café d'avance pour quelqu'un qui n'aurait pas de quoi se le payer. Mais il y a encore bien d'autres initiatives. Bientôt, on aimerait lancer aussi le frigo solidaire. C'est un frigo qui sera mis à disposition à l'extérieur du café avec des gens qui pourront ramener des choses à manger, des gens qui pourront prendre des choses à manger et comme ça un roulement. Donc voilà, on propose plusieurs types d'ateliers et de rendez-vous. En 2018, le café Oh My Goodness a beaucoup de projets dans les tuyaux, comme la reprise des ateliers de jeux de société, des concerts et des nouvelles activités du soir. Mais toujours avec la même philosophie, créer du lien. Eh bien, c'est tout un programme qu'on essaiera de suivre de temps en temps pour Parabole. Maintenant, je vous propose de découvrir un festival unique en France et peut-être même unique dans le monde. C'est un festival de musique sacrée qui s'appelle d'ailleurs Sacré Journée. C'est sur 4 jours et cette année, c'est la 6e édition. Je vous propose un petit tour d'horizon. Pouvoir entendre dans la même soirée des chants bouddhistes tibétains, hindouistes du Bangladesh ou encore orthodoxes georgiens, c'est possible pendant les 4 jours du festival Sacré Journée. Le principe de Sacré Journée, c'est 3 ensembles de 3 religions différentes et dans un même lieu de culte qui se succèdent, chacun ayant en gros entre 20 minutes et une demi-heure. Nous essayons parfois, à la fin, de les faire chanter ensemble. C'est déjà la 6e édition de cette manifestation. Elle est répartie dans les principaux lieux de culte strasbourgeois. Les lieux comme la synagogue, par exemple, sont des lieux peu connus et les concerts des Sacrées Journées sont une occasion pour le public de découvrir la synagogue, de découvrir la grande mosquée et cette année, pour la première fois, la pagode vietnamienne de la Robertsau. Tous les artistes qui participent à ce festival ont une obligation. Les œuvres qu'ils viennent interpréter doivent être de la musique sacrée. C'est une musique que l'on pratique lors de cérémonies culturelles des différentes religions. Des cérémonies qui peuvent être, comme chez les bouddhistes, quotidiennes, tous les matins, qui peuvent être des cérémonies hebdomadaires, comme chez les catholiques ou les protestants. Et puis, il y a une dimension aussi de la musique sacrée qui est très importante, ce sont les fêtes. Parmi les artistes présents cette année, il y a Dorsaf Hamdani. Très célèbre dans tout le monde musulman, elle va chanter à la cathédrale de Strasbourg. Et ceux qui auront la chance de pouvoir l'écouter vivront quelque chose d'exceptionnel. Les chants religieux, en général, sont portés par les voix des hommes. Et donc, avoir une voix de femme qui chante le religieux, c'est rare. Et dans le monde musulman, c'est rarissime. Et donc là, c'est vraiment un moment fort que nous allons vivre à la cathédrale parce que c'est justement une femme, une voix féminine qui a un grand répertoire de chants religieux qui est connu internationalement, qui sera ici. Autre événement à ne pas manquer, la prestation de Kinan Al-Zouir. Chanteur d'opéra formé à Damas, il interprète des chants de différentes églises chrétiennes orientales. Chez nous, les chants sacrés pour approcher de Dieu, pour encourager les gens, pour approcher les dieux. Et pour s'approcher de Dieu, il a à son répertoire des chants en araméen, la langue que parlait Jésus. Je sens que moi je chante les mots ou les phrases que Jésus a prononcées avant. Je pense que c'est génial. On chante les paroles exactement la même que Jésus a parlé.
Pendant ces 4 jours, pas moins d'une vingtaine de concerts sont prévus dans une dizaine de lieux de culte différents. Alors si vous voulez en savoir plus sur Sacrée Journée, le programme par exemple, ou la billetterie, vous pouvez vous connecter sur l'adresse internet qui s'affiche au bas de votre écran. On va voir tout à fait autre chose maintenant. Ce sont de drôles de petites poupées. En fait, ce sont des figurines bibliques et vous verrez qu'elles ont pas mal d'utilisations possibles. On regarde. Les figurines bibliques ont fait leur première apparition en 1964 en Suisse, dans une crèche de Noël. C'est en 2012... et sous le nom d'AFIBI, ou Association des figurines bibliques, que se concrétise l'arrivée de ces objets en Alsace. Martine Grell, qui a fait de ces figurines sa passion, nous raconte sa première rencontre avec ces objets. C'est parti en 1999 d'une exposition d'une crèche avec 90 figurines au Liebfrauenberg, dans le nord de l'Alsace. Et là, un pasteur qui était aussi directeur par intérim du Liebfrauenberg a flashé et est tombé en admiration devant cet outil, en se disant qu'on pourrait faire quelque chose aussi. Et il s'est mis en relation avec le service de catéchèse où j'étais active à l'époque. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à introduire les figurines bibliques en Alsace. Voilà. On a commencé à faire des stages, à se former, à être formé, et puis ensuite à former. Initialement créées pour faire vivre les scènes bibliques, elles se sont répandues et ont trouvé de nouveaux usages. Ici, à la fondation du Zone 9, Audrey Bobet et Léa Langenbeck les utilisent quotidiennement pour proposer un accompagnement spirituel, ainsi qu'un atelier sur l'approche corporelle à la vie affective chez les usagers. Et qu'est-ce qu'on fait ? On demande... Est-ce que tu aimerais danser avec moi ? Alors, ce qui est intéressant pour les figurines bibliques, c'est que, avant tout, ce sont des objets très concrets où les personnes peuvent manipuler et investir leurs émotions propres ou les émotions des autres. Et ce qui est très important, c'est cette projection émotionnelle très forte que dégagent les figurines. On est dans une démarche pédagogique. Elles participent à une démarche qui aide les personnes à mieux s'exprimer, à mieux exprimer leurs émotions, les émotions ressenties, à mieux mettre en scène les situations relationnelles difficiles, à mieux évoquer, parler de leurs difficultés à ressentir, à vivre leur corps. Ça aide beaucoup parce que la parole est très abstraite et donc la compréhension, c'est difficile. Des images, c'est déjà plus concret, mais c'est pas vivant, quoi. Et des figurines permettent de donner la vie à une histoire, à une situation. Donc ça devient encore plus concret. Joëlle Hessler a quant à elle lancé il y a quelques années un atelier fédérateur et thérapeutique de fabrication des figurines bibliques. En les fabriquant et en les utilisant, elle a trouvé dans ces objets une force particulière. Je crois que ces figurines ont quelque chose de particulier, le fait qu'elles n'aient pas d'expression au niveau du visage, pas de sourire, voilà. Elles ont quelque chose d'apaisant. Elles ont quelque chose qui peut rejoindre les patients dans ce qu'ils vivent. Et c'est par, finalement, l'attitude qu'on leur... les postures qu'on peut leur donner, l'attitude, qu'elles expriment quelque chose. Et ça vient, je crois, vraiment de la profondeur de l'être. Aujourd'hui, l'AFIBI est passée de 3 à 9 formatrices et a dépassé les frontières de l'Alsace. Une pratique qui se propage de plus en plus et qui est ouverte à tous. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.